un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorique, Brescalien 4 Foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Une commission de parité va être mise en place pour la synthèse des propositions issues de l'atelier sur la mise en place de la nouvelle CEI, commission électorale indépendante selon le ministre de l'Intérieur. Ce matin vers 11h, les étudiants de l'université d'Antananarivo se sont rués devant le portail de l'université d'Akatsu. Aucun blessé, mais un étudiant a été arrêté. Des violences devant le Parlement ukrainien ont marqué les actualités internationales de ce lundi. Les manifestations ont débuté après l'adoption en première lecture d'une réforme donnant plus d'autonomie à l'Est sépariste. Bilan, un policier est mort et près de 90 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béorique, Brescalien 4 Foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Comme vous l'avez suivi dans les titres, une commission paritaire va être mise en place pour la synthèse des propositions issues de l'atelier sur la mise en place de la nouvelle CEI, commission électorale indépendante selon le ministre de l'Intérieur. La plupart des 140 partis politiques formellement recensés au niveau du ministère de l'Intérieur ont répondu présents au second atelier tenu à l'hôtel Colbert. Selon Laurent Ramar, le parti Malakas Meramieng est prêt à faire taire sa fierté politique si c'est pour le bien de la nation. Reportage de Ernie Rinarabari. Après la rencontre avec les membres de la société civile, le ministère de l'Intérieur a rencontré ce jour les partis politiques sur la mise en place d'une nouvelle structure remplaçant la CENID. Pour rappel, les membres de la société civile ont recommandé lors de leur atelier que les partis politiques ne doivent pas être consultés. Sulnadasana Maafal, ministre de l'Intérieur, affirme le contraire. Une commission de parité regroupant quelques membres du gouvernement et des députés vont synthétiser les recommandations issues des ateliers. On a besoin de toutes les forces vives. On a besoin aussi des acteurs politiques à travers nos responsables des partis politiques. C'est la raison d'être justement de cette nouvelle constitution. On a besoin d'eux puisque normalement, pour remporter, pour arracher le pouvoir, il faut passer par la voie des urnes. Et lorsqu'on parle des urnes, on parle des élections. Et donc les partis politiques sont partie prenante aussi dans la gestion donc, de ces différentes élections. Donc je vois mal qu'on écarte donc les acteurs politiques donc dans la mise en œuvre, dans la création de ce comité national indépendant chargé de la gestion des élections. La plupart des 140 partis politiques formellement recensés au ministère de l'Intérieur ont été représentés lors de l'atelier présidé par Sulnadasana Olivier Mafali. Quelques représentants du groupement Armada ou l'Alliance républicaine de Madagascar ont fait le déplacement. Pour rappel, le parti Malagas Meremeng a déjà proposé un projet de loi portant la mise en place de la CEI, mais jusqu'ici bloqué par le gouvernement et laissé sans suite.
D'après Laurent Ramarson, le parti malgache Meremieng est prêt à faire taire sa fierté politique si c'est pour le bien de la nation. Maintenant, ceci a été fait et je souligne très bien le fait que ceci a été fait pour donner la main au pouvoir en place. Mais actuellement, donc, il y a l'initiative du ministère de l'Intérieur de organiser des ateliers de concertation pour, en vue d'élaborer un projet de loi concernant justement la mise en place de cette structure indépendante stipulée par la Constitution. Bon, donc politiquement, donc, si cela peut apporter quelque chose dans la stabilité politique de notre pays, si cela peut faire avancer rapidement la mise en place des structures actuelles à Madagascar, nous sommes prêts à faire taire donc notre fierté, notre considération, très légitime d'ailleurs. L'on peut dire que l'atelier d'aujourd'hui a été un bon début, mais qui peut garantir que l'État va mettre en considération toutes les recommandations issues de cet atelier, ce qui s'est déjà produit lors de la concertation nationale sur la décentralisation. Toujours dans ce contexte, un remaniement du gouvernement Ravelnarive est dans l'air. Le président Radonarman Pian commence à gagner du terrain au sein de l'Assemblée nationale. Assuré d'une contrepartie autour de 90 députés seraient déjà engagés à signer le fameux mémorandum de stabilité. Des partis et personnalités politiques considèrent la collecte de signatures comme une manœuvre de contournement de la Constitution. Irnirina Rabari. Vu l'évolution de la situation politique sur le terrain, un remaniement du gouvernement serait incontournable. Une poignée de ministres sont dans la ligne de mire. Ulrich Ndiatine, ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, après les problèmes de Air Madagascar. Brigitte Rassamouiln, ministre de la Culture, qui ne trouve pas de solution pérenne face aux actes de vandalisme à l'encontre du patrimoine national. Le ministre de la Santé, avec le retour en force de la poliomyélite. D'autres comme le ministre d'État, Rivera Kutvou, le ministre de l'Industrie, Narson Rajafmanan ou Ahmad, pour l'échec de leur coaching électoral dans la Loja Mangour, Thomasn ou Bien, ainsi de suite. D'autre part, le président de la République gagne du terrain au sein de l'Assemblée nationale. 90 députés auraient déjà signé le mémorandum de stabilité proposé par le chef d'État, selon Charles Ranjiamayev, député élu à Mouramang, signataire du mémorandum. D'après nos sources, cet accord entre le chef d'État et les parlementaires n'est pas gratuit. 200 millions d'arrières et le maintien de l'Assemblée nationale auraient été mis sur la table. Le président de la République ne doit pas chercher de majorité autre que celle qui existe déjà au sein de la Chambre basse, selon Jean-Désiré Ranefson, président du PNJ Mazav. Quand on vit dans un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, donc c'est au niveau de l'Assemblée nationale qui propose un Premier ministre nommé par le président. Donc le gouvernement doit refléter la majorité parlementaire. Donc c'est la majorité qui gouverne. Donc c'est dans tous les pays démocratiques du monde, c'est la majorité qui gouverne. Donc pour moi, l'approche que je dirais valable, c'est qu'il faut respecter la majorité, discuter avec la majorité comment mettre en œuvre la politique générale de l'État. Donc il n'appartient pas au président de négocier pour avoir une majorité, mais de respecter la majorité. Si l'on se réfère à ces mouvements à l'Assemblée nationale, la nouvelle majorité parlementaire, regroupant les 95 députés signataires de la motion de censure, risque de partir en fumée. Une nouvelle majorité présidentielle viendra s'y substituer. Jusqu'à quand cette nouvelle majorité tiendra-t-elle ? Passons à la page économique. Le riz accuse une hausse de 150 arrières sur le marché. L'arrière recommence à chuter sur le marché financier. Cette chute favorise les produits d'exportation de Madagascar, mais pénalise les consommateurs et les importateurs qui doivent acheter et revendre les produits importés à prix fort. Le point avec Zoura Koutendjin.
En un an, l'arrière a baissé de 476 arrières par rapport au dollar, la monnaie des échanges internationaux tant pour importer que pour exporter. En août 2014, le dollar coûte autour de 2463 arrières. Maintenant, il est à 2879. C'est l'une des principales causes de l'inflation, expliquent les économistes, et les opérateurs paient plus cher leurs importations. Le riz en fait partie et la hausse du dollar se répercute sur le prix du riz importé. Jusqu'ici, la hausse du riz se situe entre 50 à 150 arrières sur le marché local. La baisse de l'arrière favorise nos importations. Nos produits exportés sont bon marché, toutes choses étant égales, par ailleurs. Cela donnera un peu de souffle à nos produits d'exportation. Par exemple, le litchi, si un kilo coûte 2000 arrières, et que le dollar s'achète à 2000 arrières, cela veut dire qu'un kilo vaut 1 dollar. Mais si l'arrière baisse, nos produits s'achèteront moins cher. Cela donne plus de chances de tous les vendre. Mais le problème sera que pour Madagascar, le quota est limité et que les opérateurs feront rentrer moins de devises. Cela pénalise les exportateurs qui voient leurs marges se rétrécir. Résultat des courses, les caisses de l'État vont beaucoup souffrir de la baisse de ses rentrées en devises. Sur le marché, le riz reste le principal baromètre de l'inflation. Il passa de 1150 arrières le kilo en 2014 et 1400 sur la plupart des marchés. Il est de même pour l'huile alimentaire. Cette hausse inflationniste est incontournable d'ici peu pour les produits de première nécessité. Également dans l'actualité, le directeur général de la Djirama doit démissionner. La revendication des employés de la Djirama tient encore et les employés continuent leur collecte de fonds afin de réhabiliter la centrale de Manchsès. Le président du syndicat des employés, Anjanal Manaoliv, confirme ce jour qu'il n'y aura pas une prétendue coupure d'électricité d'une durée de 48 heures comme le colporte des rumeurs mal intentionnées. Et puis dans le reste de l'actualité, échauffourée au campus ce jour, un étudiant a été arrêté à Katz par les forces de l'ordre. Aucun blessé n'a été enregistré. Les étudiants déclarent poursuivre leur manifestation. Ils revendiquent la reprise des cours. Pour rappel, le CSS, syndicat des enseignants-chercheurs, souligne que l'État a 15 jours pour faire preuve de sa volonté à insérer les deux décrets afférents à leurs divers avantages et indemnités dans la loi de finances initiales 2016. Reportage. Vers 11h, les étudiants de l'université d'Antananarivo se sont rués devant le portail de l'université d'Akatsu. Jets de pierre contre bombes lacrymogènes. Aucun blessé, mais un étudiant a été arrêté. Les manifestations vont encore s'amplifier, préviennent les étudiants. Pour eux, les enseignants-chercheurs doivent reprendre le service sans attendre la signature de la convention avec le ministère de tutelle sur leurs revendications. À titre de rappel, le CCS attend que les décrets 2009-12-14 et décrets 2009-12-15 soient pris en compte dans la loi de finances initiale 2016. Les cours à l'université d'Antananarivo sont suspendus depuis 2 mois et demi et d'après les indiscrétions, une conférence des présidents qui s'est déroulée à full pointe aurait décidé de la reprise des cours à partir de demain. Wait and see. Des violences devant le Parlement ukrainien ont marqué les actualités internationales de ce lundi. Les manifestations ont débuté après l'adoption en première lecture d'une réforme donnant plus d'autonomie à l'Est séparatiste et puis bilan. Un policier est mort et près de 90 membres des forces de l'ordre ont été blessés. France 24. L'explosif est envoyé en plein milieu des forces de l'ordre. Les policiers n'ont pas eu le temps de reculer. Plusieurs sont touchés aux jambes ou à la tête, parfois gravement. Certains sont étourdis par la détonation. Des journalistes qui filmaient avec les gendarmes aussi sont blessés. Tous sont immédiatement évacués.
tandis que la police procède à de premières arrestations. Avant la détonation, des centaines de manifestants regroupés devant le Parlement envoyaient depuis plusieurs minutes des projectiles sur les forces de l'ordre pour faire entendre leur colère. Car quelques instants plus tôt, à l'intérieur du Parlement, les députés votent un texte controversé en première lecture. Ici aussi, la séance est houleuse. Certains parlementaires font tout pour empêcher la tenue du vote. Cette nouvelle loi doit donner plus d'autonomie aux deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk. Le vote de ce texte était demandé par les dirigeants occidentaux dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu signé en février dernier à Minsk en Biélorussie. Les opposants à cette loi jugent qu'elle affaiblit l'unité du pays. Le texte devra encore être adopté lors d'un examen final. Il devra alors recueillir les voix de 300 des 450 députés. Et enfin, le père de la saga Scream, Wes Craven, s'est éteint dimanche dans sa maison de Los Angeles à l'âge de 76 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. C'était l'homme qui a terrifié plusieurs générations, de Freddy à Scream. France 24. Ce masque aura fait trembler toute une génération. Moi, j'en mange qu'au cinéma. Bah justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle ? Lorsque le premier volet de Scream sort au cinéma en 1996, c'est une petite révolution. Ça vous avancera à quoi de le connaître ? J'aime bien. Wes Craven parvient à mettre en scène les meurtres d'un psychopathe tout en teintant l'horreur de scènes de comédie. Tout a commencé par un appel au secours au milieu de... Lui disait qu'il adorait faire peur aux spectateurs. C'est ma passion. Il faut savoir ce que les spectateurs pensent, savoir où sont leurs peurs, ce qui signifie qu'il faut aimer son public. J'ai toujours pensé que ce dont moi j'avais peur, eh bien, c'est ce qui faisait également peur au public. Et après, il faut jouer avec ça. Wes Craven fait ses débuts derrière la caméra en 1972. Son premier film, La dernière maison sur la gauche, est un succès. Mais c'est surtout en 1984 que le réalisateur marque les esprits avec le personnage de Freddy Krueger. Un film dans lequel il offre son premier rôle à Johnny Depp. Car Wes Craven est aussi un découvreur de talent. Sharon Stone ou encore Bruce Willis débutent sous sa direction. Atteint d'une tumeur au cerveau, Wes Craven est décédé chez lui, à Los Angeles, entouré de sa famille. Ses personnages, eux, continuent de faire peur. Avant de nous quitter, je vais vous rappeler les grandes lignes de ce journal. Une commission paritaire va être mise en place pour la synthèse des propositions issues de l'atelier sur la mise en place de la nouvelle CEI, commission électorale indépendante, selon le ministre de l'Intérieur. Et puis ce matin, les étudiants de l'Université d'Ancatre se sont rués devant le portail de l'Université d'Ancatre. Bilan, aucun blessé, mais un étudiant a été arrêté. Et puis enfin, des violences devant le Parlement ukrainien ont marqué les actualités internationales de ce lundi. Les manifestations ont débuté après l'adoption en première lecture. Une réforme donnant plus d'autonomie à l'Est séparatiste, bilan. Un policier est mort et près de 90 membres des forces de l'ordre ont été blessés. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Et puis la rédaction vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage, Luminel Béorif, Vrescalien 4 Foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.